qu'on cesse de bafouer le désir. Cette attirance à la fois subtile et brutale de deux chairs, quel que soit leur sexe, de deux chairs qui se veulent tendant vers l'unité. Qu'on cesse de bafouer le désir en le déguisant sous la défroque lamentable et pitoyable des vieilles et stériles sentimentalités. La pudeur physique, essentiellement variable selon les temps et les pays, n'a que la valeur éphémère d'une vertu sociale. Il faut faire de la luxure une œuvre d'art, faite, comme toute œuvre d'art, d'instinct et de conscience. J'aime les femmes à la folie, mais je leur ai toujours préféré ma liberté.